Quand j'ai attrapé les vêtements de Jésus, c'est la joie, ma délivrance. Quand j'étais de l'autre côté, quand j'étais de l'autre côté dans le monde, c'était de la sorcellerie, c'était des vilaines choses. Maintenant que j'ai saisi Jésus-Christ, n'est-ce pas, il m'a donné la joie. Et c'est ça, quand on saisit Jésus-Christ, c'est la joie qui inonde notre cœur. Recevez chez vous maintenant la gloire de Dieu. Soyez bénis. Vous êtes maintenant direct à l'école des mystères, à l'école des mystères. Seigneur, merci pour cette rencontre. Au solennel pour chacun d'entre nous. Nous voulons te prier de nous bénir et de bénir cette rencontre. De bénir mon bien-aimé qui est maintenant est en ligne, en train de suivre. Et tous ceux qui suivront, n'est-ce pas, cet enseignement, d'être bénis, d'être restaurés. Merci pour ta grâce qui abonde maintenant. Merci pour l'onction que tu répands maintenant, afin de bénir chacun d'entre nous. Alors, partagez. Dès que vous êtes là, partagez. Commencez à partager la vidéo. Commencez. Nous allons partager la vidéo. Commencez à inviter les gens. Partagez, commencez à partager. Pendant que tu partages cette vidéo, tu reçois une onction particulière sur ta vie. Pendant que tu la partages, une grâce de Dieu abonde dans ta vie. Pendant que tu seras en train de partager la vidéo, tu recevras la grâce de Dieu. Aligne soit
Commencez à partager la vidéo. Le tout dernier prophète Joël Crasso, mon tout dernier album. Restez bénis chez vous, je suis à Paris, depuis Paris. Recevez shalom, 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 shalom à vous. Et nous avons passé un assez long week-end dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le thème de ce soir, c'est la puissance de la prière. Nous aurons l'occasion de vous faire le point, n'est-ce pas, de cette soirée, des différentes soirées. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur répande sur vous la grâce. Recevez, je suis fier de vous, les enfants de France, c'est en particulier tous ceux qui sont venus, n'est-ce pas, soutenir ce programme. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'en profite pour dire merci à Jean-Roch. Vraiment, merci pour ta disponibilité. Jean-Roch, mon fils, que Dieu te bénisse abondamment. Jean-Roch, j'en profite pour dire merci aussi à Pauline, ma fille. Merci aussi à Patrick Fongué. Oui, Patrick Fongué qui est venu depuis Lyon pour être à ce programme. Patrick Fongué, que Dieu te bénisse. Les deux sœurs, Temoko, que Dieu vous bénisse. Et la servante de Dieu, Mélanie, que le Seigneur te bénisse. Et Suzanne Doté, la servante de Dieu, Suzanne Doté, reçois la grâce de Dieu aussi chez toi. Aussi, Odette de Paris, que Dieu te bénisse. Stéphane Leblanc, voilà, Stéphane, que Dieu te bénisse, Stéphane. Aussi, Jean-Pierre, tous les brigadiers qui étaient à ce programme, recevez la grâce de Dieu pour chez vous. Et tous ceux à qui, je n'ai pas dit le nom, restez bénis. Vraiment, ça a été vraiment merveilleux ce programme de soirée. C'était vraiment un programme, n'est-ce pas, de réception privée. Et le Seigneur s'est puissamment manifesté. Il y a eu la manifestation de la puissance de Dieu. Vous savez, l'onction fait toujours la différence. Quand il y a l'onction, il y a toujours la différence. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais la Bible dit qu'il ne se répand pas de son don et de son appel. Quand Dieu t'appelle, il te oint. Et quand il te oint, l'onction, ce n'est pas ce qui est dans la bouche. L'onction, c'est palpable. Et l'apôtre Paul dit, ma parole et mes prédications ne reposaient pas sur les discours péchassis de la vie, mais dans une démonstration de puissance de Dieu. On a vu pendant ces deux jours la démonstration, remarquer la démonstration de la puissance de Dieu dans le domaine de guérison et dans le domaine de délivrance. Nous avons vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Qui m'a cessé de m'harceler au téléphone? Excusez-moi, quelqu'un essaie de m'appeler, mais voilà. Dans le domaine de la démonstration de la puissance de Dieu, on a vu Dieu à l'œuvre, on a vu la puissance de Dieu se manifester, on a vu Dieu agir pleinement dans la vie des bien-aimés. Nous avons vu des délivrances pathétiques, nous avons vu les délivrances authentiques, et la délivrance qui m'a marqué, c'est cette délivrance, de la femme d'un homme de Dieu qui sont venus de l'île de la Réunion. Voilà, c'est ton Dieu qui m'a donné ce stylo. Je suis en ligne. L'île de la Réunion. Voilà, l'île de la Réunion. Ils sont venus de l'île de la Réunion. Voilà, avec tous les soucis. N'est-ce pas, avec tous les soucis. Et de l'île de la Réunion pour pouvoir, n'est-ce pas, participer à ce programme de taille. Dieu s'est puissamment manifesté. Voilà, donc il y a eu la puissante main de Dieu. Il y a eu la manifestation de la puissante main de Dieu. Je tenais aussi à dire merci pour ceux qui... Il y a eu la puissante main de Dieu. La dame, elle était possédée. Son mari est pasteur. Voilà. Elle est servante de Dieu. Elle est servante de Dieu. Je confirme déjà qu'elle est servante de Dieu. On a eu à parler. Et son mari et elle servent Dieu. N'est-ce pas, à l'île de la Réunion, voilà, son mari il est mauricien, elle est française, voilà, et servent Dieu à l'île de la Réunion, n'est-ce pas, ils sont là-bas, leur activité, ça, à la l'île de Réunion, ils sont là-bas et tout ça, et depuis un moment, le Seigneur parlait pour dire, ce que tu vis comme difficulté spirituelle, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu qui ont prié pour elle, voilà, et du coup, elle découvre mes vidéos sur le YouTube, et le Seigneur lui dit, c'est cet homme de Dieu-là qui va te délivrer.
On dit, c'est cet homme-là qui va te délivrer. Donc, la dame, elle est restée un peu, elle a joué la sourde oreille au départ, parce que les démons l'empêchaient de venir à mes programmes, les démons l'empêchaient. Voilà. Et puis un matin, elle a eu la conviction du Seigneur, dit, c'est cet homme-là qui va te délivrer. C'est le prophète Crasso, c'est à lui que j'ai donné l'onction. Voilà, l'onction nécessaire, n'est-ce pas, pour procéder à ta délivrance. OK. Ils se sont déplacés de l'île à Réunion. Hein. Voilà, c'est 11 heures de vol, de 11 frères. C'est ce qui est toujours dit aux gens. Si ne vous levez pas pour votre délivrance, ne pensez pas que Dieu fera quelque chose pour vous. Christian, t'as pas vu. Voilà, Christian, voici les fils spirituels, on ne les voit pas au programme. Christian, shalom aussi à toi. Donc, ce que je n'ai pas encore vu à ce programme, shalom à vous, ça ne fait rien, mais soyez là. Et Aïdara, depuis l'Angleterre, envoyé aussi 50 euros pour soutenir cette croisade. Je tenais aussi à te dire merci pour ça. Je n'ai pas encore retiré. Voilà, j'aurai l'occasion, je n'ai pas retiré parce que au moment où je t'ai envoyé la chose, il était déjà samedi. On ne pouvait pas retirer. Donc, j'aurai l'occasion de retirer ça par la grâce de Dieu. Merci, le comité. Voilà, Dieu merci. Déjà le 14, un voyage s'est fait sur l'Angleterre. Il y a un voyage qui sera effectué sur l'Angleterre pour organiser, n'est-ce pas, le programme de l'Angleterre. Voilà. Donc, gloire à Dieu. Je revenais sur le témoignage de cette servante de Dieu et son mari qui venait de l'île de la Réunion, qui revenait de l'île de la Réunion par la grâce de Dieu. Voilà, donc, elle est venue se faire délivrer. Et dès qu'elle est arrivée en salle, le même jour, le Seigneur s'est puissamment manifesté. Le puissamment manifesté, elle a obtenu sa délivrance. Quelque chose qui n'a pas été facile parce qu'elle a été envoûtée par sa belle famille. Il y a eu tellement de pratiques dans sa vie. Vous voyez, ce n'est pas cette fois-ci blanc, ce n'est pas noir, hein. C'est blanc. C'est-à-dire l'esprit blanc qui est possédé, une blanche qui est possédée. Et regardez comment l'esprit se manifeste par le travers d'elle. C'est que auquel nous sommes toujours habitués. Et le Seigneur s'est puissamment glorifié. Et aujourd'hui, cette servante de Dieu, elle est totalement délivrée. Et il nous a apporté une invitation pour aller à l'île de la Réunion. Le plus tôt serait mieux. Donc, à la fin du mois, si prête à Dieu, nous serons à l'île de la Réunion à partir du 26. Tout dépend du Seigneur. Alors, moi, j'ai déjà donné mon OK pour l'invitation. J'attends que les billets soient validés pour qu'on arrive à partir du 26 juin, rapidement, du 26 juin à l'île de la Réunion. Voilà, l'île de la Réunion. Voilà, donc, voici un peu les points. Il y a eu des personnes qui ont été guéries. N'est-ce pas, des fibromes, il y avait des personnes qui avaient des difficultés au niveau du cerveau, qui ont été miraculeusement guéries, il y avait des possessions graves, et le Seigneur s'est puissamment glorifié. Il y avait des personnes qui étaient menacées de mort par la sorcellerie, il y avait des personnes qui étaient bloquées par la sorcellerie, le mariage, la vie était bloquée. Imaginez-vous si ce programme n'a pas été organisé, frère, certaines personnes allaient certainement mourir, et certaines personnes allaient continuer de vivre éternellement dans ces difficultés. C'est pour cela que c'est important, par moment, d'organiser des programmes de taille. Voilà, donc, merci pour ceux qui ont participé. Je tenais aussi à faire des points. Vous savez, la salle nous fait 1500 euros par séance. On a demandé des contributions. D'autres sont venus. Il y a d'autres qui ont donné, ils donnent leur contribution 100 euros, 50. Il y a beaucoup même qui ont donné 20 euros. Mais vous savez, en deux séances, ça fait 3000 euros. Donc, en réalité, votre contribution, voilà, votre contribution, là, ça n'a pas suffi. On est obligé de toute cette contribution-là donner, n'est-ce pas, donner à la dame de la salle, parce que c'est ça. Voilà, elle nous a laissé la salle et on a dit, bon, certainement les frères vont cotiser, s'ils contribuent, on prendra l'argent pour vous donner. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. La dame, elle attendait son argent. C'est une blanche, elle attend son argent. Elle voit son business. Voilà. Pour dire que vous qui avez participé à la. Vous avez participé, n'est-ce pas, à une grande soirée. Voilà, une grande soirée. J'ai eu l'occasion de prier pour vous. J'ai eu l'occasion d'imposer les mains à beaucoup de personnes. J'ai eu l'occasion. Mais c'est cher, justement. C'est cher. Ah, c'est cher. Et ces 3 000 euros, on a donné ça ce matin. Il fallait donner les 3 000 euros à la dame. Une soirée fait 1500 euros, une soirée fait 1500 euros. On a donné une contribution. Voilà. Et il y a des personnes, j'ai prié pour des gens, j'étais fatigué, n'est-ce pas? Jusqu'à 7 heures du matin. C'est vrai, je comprends les gens, mais j'étais fatigué. Et il y a d'autres personnes qui ont dit non, comme le prophète ne nous a pas reçu, on préfère que vous nous remboursez la petite contribution qu'on a donnée. Or, ils ont bénéficié des prières en salle. Hein.
On était en salle, ils ont bénéficié de ces prières. Ils ont bénéficié même beaucoup de choses. Ce n'est pas gratuit. Ils ont bénéficié, n'est-ce pas? Mais on leur a remboursé. Leur a remboursé, tenez. Parce qu'ils ne comprennent pas une seule chose, que là où ils étaient assis dans la salle, on a eu l'occasion de prier pour eux. On a eu l'occasion de prier pour eux. Ils étaient en salle. Ils ont bénéficié de cette rencontre. Ils ont bénéficié de beaucoup de choses. Le prophète est fatigué. C'est pour ça qu'il dit, les gens, ils ne pensent pas à moi. Ils ne pensent pas à moi. Ils ne pensent qu'à eux. Voilà. Ils ne pensent qu'à moi. Oui, on a donné. Et on a collecté. On a fait ça pour vous. On n'a pas fait ça pour un business. Frère, celui qui voit ça en business, c'est un sorcier et il est maudit. Celui qui voit ça en business, parce que la dame, elle était là. On n'avait pas d'argent pour organiser cette rencontre. On n'a même pas eu de groupe musical parce qu'il fallait que le groupe musical c'est de l'argent. C'est pour cela que désormais, ce n'est même pas moi-même qui devais organiser ce programme. Ce n'est même pas moi qui devais organiser ce programme. Oui, ce n'est pas moi qui devais organiser ce programme. C'est vous qui devez organiser ce programme. C'est pour ça que désormais, celui qui ne va pas s'investir dans l'œuvre de Dieu, dans ce ministère, frère, tu m'intéresses même pas, même. Voilà. Je serai même plus prêt pour celui qui n'est pas prêt à s'investir dans cette œuvre. Tu n'es pas prêt, on n'est pas prêt pour toi. Voilà, ce n'est pas à moi de venir organiser les programmes de Paris. Voilà, quand on a des programmes de Paris, c'est vous qui devez contribuer pour faire avancer l'œuvre. Vous venez participer, n'est-ce pas? Et le prophète dit qu'il est fatigué, il a les vertiges, parce qu'il est fatigué, il a fait 2 jours. Vous êtes resté dans la salle, il a prié pour tout le monde, il a même fait bain d'huile. Il faut qu'il me reçoive forcément. Quand il ne m'a pas reçu là, voilà ma contribution que j'ai donnée là, remettez-moi. On leur a remis. On leur a remis ça, tout ça. Donc, le peu qu'il y avait comme contribution, on a donné ça à la dame. Et la dame, elle a pris ses 3 000 euros. Hein. Elle a pris ses 3 000 euros parce qu'elle attendait. On leur a dit, il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes. J'ai les gens qui ont des problèmes, qui ont besoin d'être visités par la puissance de Dieu. Qui ont besoin d'être visités par la puissance de Dieu. On a créé ça. On a créé. Celui qui dit pour Joël Crasso, je ne suis pas Joël Crasso, je suis prophète Crasso. Tu viens sur ma page m'insulter, ça veut dire que toi, tu as un problème. Tu es le plus grand sorcier d'ailleurs. Parce que quand tu viens insulter le prophète Crasso sur sa page, ça veut dire que tu as un problème. J'ose même pas même te répondre parce que tu es mal poli. Le païen veut dire quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Je connais mieux Dieu que toi. Voilà. Voilà, je connais mieux que Dieu que toi et je laisse la possibilité à mes fils spirituels de te répondre, toi qui es en train de faire le commentaire. Maintenant, je dis chacun a droit de réponse. Voilà. Païen veut dire quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Moi, je connais mieux Dieu, je le sais très bien. J'ai la crainte de Dieu. J'ai œuvre pour le Seigneur. Je soutiens les veuves et les orphelins. J'ai fait mon ministère. Les démons ont peur de moi. Quand je chasse un démon, je le chasse au nom de Jésus. Et ce démon a peur, il fuit. Voilà. Le démon a peur, il fuit. Voilà. Le démon a peur, il fuit. Je suis l'homme de Dieu qui ne prend pas de l'argent sur mon argent, mais j'aide les gens. Je soutiens les gens. Je soutiens les gens. Voilà. Donc, apprenez à connaître les gens. Vous allez beaucoup faire, vous allez comprendre. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, je continuais pour dire, on a soutenu. Ils sont venus soutenir. Ils sont venus soutenir l'œuvre de Dieu. On a pris cet argent, on a soutenu les gens. On a pris, je vous fais les points. Voilà. Je n'ai jamais vu une église qu'on construit et puis on ne demande pas aux gens de soutenir. Non. Je n'ai jamais vu une église. Toutes les églises qu'on construit ici, sur la surface de la terre, c'est les gens. On vous demande toujours de venir, comme on vous demande toujours de venir soutenir, n'est-ce pas, cette œuvre. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui vient. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui, n'est-ce pas, vient, n'est-ce pas, soutenir une œuvre de Dieu, on la soutient toujours. N'est-ce pas? Une œuvre de Dieu, on la soutient toujours. Si vous ne soutenez pas l'œuvre de Dieu, elle ne peut pas avancer. Voilà. Si vous ne soutenez pas l'œuvre de Dieu, elle ne peut pas avancer. Quand on veut construire l'église, là, c'est toi et moi, c'est chaque fidèle qui vient contribuer pour faire avancer, pour la construction d'une église. C'est pour dire que c'est tout à fait normal qu'on vous demande de venir soutenir une croisade. C'est tout à fait normal quand vous soutenez une croisade. Donc, je vous ai fait les points de la croisade. J'ai dit la salle fait 1 500. C'est moi qui ai payé ça. Vous avez soutenu. OK. Nous, on a récupéré l'argent. On a donné à la dame. On l'a donné à la dame. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Voici un peu les points. Ouais. Et on leur a remboursé. Voilà. On leur a remboursé. Mais on était très heureux.
On a été très heureux de voir que Dieu a guéri les gens. Voilà, voici les points. Malgré la fatigue, je viens à peine me réveiller. Donc, je tenais à dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Merci au Seigneur pour la grâce de Dieu sur sa vie. Si c'est ça, vous pensez que c'est business, ce n'est pas du business parce qu'on a prié pour vous. Et cet argent, on l'a pris. On a pris cet argent pour aider les gens. On a pris cet argent pour payer la salle. La dame, ce qui était là, la blanche, la mère défilait tout le temps dans la salle. Parce qu'elle a même dit que les pasteurs, la plupart des pasteurs qui prennent les salles n'arrivent pas à payer. Mais elle nous fait confiance. Toutefois qu'on a toujours pris la salle, on a toujours payé. Donc, elle a dit, il n'y a pas de problème. Je pense que mon argent va rentrer. Donc, on a pu recueillir la contribution de ses bien-aimés. On a remis à la dame. Elle était contente parce qu'elle est sur son argent qui l'intéresse. On lui a remis l'argent. Voilà. Et puis, parce qu'on occupait sa salle. C'est sa salle qu'on occupait. C'est la salle qu'on occupait. Et il faut que Dieu nous fasse la grâce qu'on ait vraiment des salles. Si vous avez des salles à Paris et que les salles-là sont gratuites, mais il n'y a pas de problème. On ne viendra pas vous encaisser, on ne viendra pas vous donner des contributions. Ici à Paris, tout est payant, tout est cher. Cher, 1500 francs une soirée. 1500 francs. Ça paraît ici, Vitry-sur-Seine, la salle, c'est 1500 par soirée. Non, ça fait 3000. En 2 soirées, ça fait 3000. Et on avait l'habitude de faire 3 soirées, non, ça faisait 4. On avait l'habitude de faire 4500 francs souvent, les 4500 euros, tous les 3 programmes. Gloire à Dieu, votre contribution nous a permis de payer la salle et de pouvoir prier pour vous. Parce que c'est ça, moi je n'ai pas d'église ici. Ici, on ne veut pas crier dans la rue, on ne met pas des bâches dans la rue pour prier. Et c'est votre contribution, n'est-ce pas, qui nous permettra. C'est pour cela que j'ai compris maintenant aujourd'hui, celui qui ne va pas vouloir s'investir dans cette œuvre, vraiment désolé. J'ai dit dans la salle, il dit, mais quand le prophète Crasso vient ici à Paris, non seulement ça, il est logé quelque part, il est logé dans sa résidence. N'est-ce pas? Il est logé. Il vous a pas dit de payer ça. Mais néanmoins, c'est vous qui devez le faire. Voilà. C'est vous qui devez le faire. Mais je ne vous demande pas. Moi-même, je m'occupe de ma résidence. Je m'occupe de ma nourriture. Voilà. Donc, c'est pour dire, si un homme de Dieu est quelque part et que vous aimez le travail qu'il fait, vous devez contribuer, vous devez soutenir, n'est-ce pas, cette œuvre. Voilà. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Déjà, merci. Je viens de faire les points, le point spirituel en point. C'était super. Bien, le Seigneur s'est puissamment manifesté. Voilà, le Seigneur s'est puissamment manifesté. Il y a eu pas mal de miracles, il y a eu pas mal de restaurations. Je vous ai dit, cet argent, on l'a pris, on l'a payé. Allez demander à la dame. Allez demander à la dame, vous allez voir. On l'a payé, elle ne croyait pas. Parce que se disait que la plupart des gens qui venaient dans la salle, la plupart des personnes ne payaient pas. Nous avons payé par la grâce de Dieu. On a pu récupérer, le soutenir, tout ça. Voilà, les actions de l'huile, tout ça, on a récupéré tout ça pour payer. Voilà, c'est pour aider les gens. L'envie d'aider les gens qui nous a poussés à le faire. Voilà, donc gloire à Dieu pour ça. Donc je tenais à dire encore merci pour tous les enfants qui sont venus spontanément, qui ont répondu à l'appel, qui sont venus soutenir leur père spirituel que je suis en tant que membre de ce ministère. Jean-Roch, Dieu merci, que Dieu te bénisse. Et Pauline, Patrick Fongué, les 2 sœurs Tiemoko, Mélanie, la servante de Dieu Mélanie, Suzanne Doté, Odette de Paris, Stéphane de Blanc, Jean-Pierre, Stéphane est venu de voilà. Voilà, donc Jean-Pierre aussi. Ben, tous ceux, peut-être ceux à qui, je n'ai pas cité les noms, voilà, veuillez m'excuser, mais tout le monde était présent par la grâce de Dieu. C'était vraiment super bien. C'était franchement super bien. Et tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Chapeau aux enfants de Paris, les enfants de la France, parce que les gens sont venus plus partout de la France. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur repose sa grâce sur vous, que Dieu vous bénisse. On a pu sauver des gens qui avaient des problèmes, qui ont vomi. Il y avait des problèmes de cancer. Le Seigneur les a restaurés. Il y avait des gens qui ont eu des situations un peu compliquées, qui ont eu la visitation de Dieu. Voilà, on a supporté aussi des humeurs de certaines personnes qui se sont mal comportées. Vous savez, les gens, ils viennent dans des humeurs bizarres. On a pu supporter. Voilà, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Voici les points. Donc, je disais comme ça. Nous sommes en train de régler les choses en différents comités, n'est-ce pas? Nous avons le comité
Nous venons de boucler un peu avec avec Paris. Nous allons revenir encore plus tard sur les différents points. Voilà, donc je tenais à dire, voilà, nous avons des comités en Italie. Mettez-vous dans les comités d'Italie. Ça va vous aider demain. Demain, ça pourra vous profiter demain. Ceux qui sont en Italie, mettez-vous dans le comité d'Italie. Il y a la plateforme, n'est-ce pas, Enfant spirituel du prophète Crasso en Italie. Il y a la page. Abonnez-vous à cette page de la Suisse aussi. Qu'on dit, l'Italie, c'est donc les champions. La Suisse, qu'on dit pas que Sylvie, Madame Sen et Abidjan. Abidjan aussi, mettez-vous dedans. Cette fois-ci, ce n'est plus Abidjan. J'aimerais, ce n'est plus Abidjan, c'est les enfants spirituels du prophète Crasso dans toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Abidjan, ça fait comme restreint, mais on va prendre toute la Côte d'Ivoire, les enfants spirituels du prophète Crasso en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, cette fois-ci, on ne mettra plus Abidjan. On va changer le nom carrément pour dire Côte d'Ivoire au lieu d'Abidjan. Voilà. On va mettre Côte d'Ivoire. Il y a aussi les États-Unis. Voilà. Merci aussi, Béatrice. Béatrice de Dallas, je tenais à dire merci parce que tu as confectionné des t-shirts que tu, comme tu as l'habitude, l'amour que tu as pour les enfants. Voilà, l'amour que tu as. Merci aussi pour Viviane Tré, ton direct, ça a été super. Merci, que Dieu te bénisse. Voilà, merci pour Béatrice de Dallas. C'est grâce à elle que le Seigneur est passé. Je suis rentré à la NASA, j'ai découvert la NASA. Je suis allé au ranch de Dallas, le film Dallas, tout ça, je connais un peu l'histoire des JR, des Bobby et tout ça. Et en même temps, c'est par elle, le Seigneur est passé pour qu'on ait des dons de chaussures, n'est-ce pas, aux enfants en difficulté de la fondation. Les 4 000 chaussures, c'est par elle, Dieu est passé. Elle vient de confectionner des t-shirts aussi pour vendre, pour aider la fondation. Donc, c'est pour dire, si vous êtes dans les différents pays, vous devez faire connaître la fondation Prophète Joël Crasso, Espoir de vie. Nous aidons les enfants en difficulté, les veuves et les orphelins. Et en même temps, pour nous, il faut que nos enfants partent à l'école. Voici le combat que nous menons. C'est là, c'est pas parce qu'on parle. La construction, je n'ai jamais demandé l'argent aux gens pour dire donnez-moi de l'argent, je vais aller construire un orphelinat. Je l'ai fait à fonds propres. Et votre contribution à vous, c'est de soutenir cette œuvre où chaque mois, c'est des millions de francs que nous dépensons pour scolariser les enfants en difficulté, leur donner à manger. C'est votre contribution à vous de faire connaître cette fondation, afin que nous ayons assez de moyens pour étendre cette vision-là dans toute la Côte d'Ivoire et dans l'Afrique. Parce que pour nous, il faut que chaque enfant africain parte à l'école. Parce qu'aujourd'hui, le problème de l'Afrique, c'est vrai que c'est spirituel, c'est la sorcellerie, mais aussi éducationnel. Il faut que les enfants soient éduqués. S'ils ne sont pas éduqués, ils seront les enfants en conflit avec la loi qu'on appelle microbes. Voilà. Donc, s'ils sont mal éduqués, mais ne vous étonnez pas qu'ils soient aux enfants, qu'on les appelle les enfants en conflit avec la loi. Je suis déjà un modèle, j'ai commencé. J'ai commencé ma part. Je scolarise par la grâce de Dieu. Je suis en train d'encadrer des enfants qu'on disait mauvais, qu'on ne pouvait plus récupérer, les enfants qu'on n'entretenait pas et tout ça. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ces enfants-là sont retournés, ils ont repris le chemin de l'école. Ils sont aujourd'hui bien entretenus par la grâce de Dieu, bien encadrés avec, n'est-ce pas, des psychologues, n'est-ce pas, des personnes qui les encadrent, qui les suivent. Et au niveau de cette fondation, on a aussi la formation en anglais. Il y a beaucoup de choses qu'on enseigne aux enfants aujourd'hui qui arrivent à se prendre en charge. Et donc, on aimerait étendre ça dans toute la Côte d'Ivoire pour que dans chaque village, le combat que nous menons aujourd'hui, dans chaque village, nous puissions étendre cette vision pour que nos enfants puissent repartir à l'école. Et si nos enfants vont à l'école aujourd'hui, vous allez voir aujourd'hui que d'ici 30 ans, 40 ans, la Côte d'Ivoire ou bien l'Afrique va se prendre en charge. Parce que l'Afrique, c'est un problème éducationnel. Voilà, c'est un problème éducationnel. Si les gens vont à l'école, mais c'est fini. S'ils vont à l'école, c'est fini. Ils pourront, n'est-ce pas, devenir aujourd'hui demain des cadres et aujourd'hui et se prendre en charge. Parce que c'est important. Sauf cela que, franchement, il est important d'encourager ce ministère. Donc, nous avons aussi une représentation en Allemagne. Mais depuis le programme de l'Allemagne, on ne voit plus ceux de l'Allemagne. Monsieur le frère Samoa, je ne sais plus où il est parti. On ne voit plus, on ne sent plus les gens de l'Allemagne. La Belgique, je tenais à dire merci à Marley, à aussi à Silla et son épouse, à toute l'équipe de la Belgique. Super à vous. Voilà, super à vous. Je tenais à dire que dans ces temps-ci, nous allons faire l'ouverture. Nous voulons, n'est-ce pas, créer un programme. Nous sommes en train de préparer un programme sur le Cameroun. Donc, du coup, on aimerait que les Camerounais qui sont au Cameroun se faire connaître déjà, rentre en contact avec le secrétariat de Divo, en contact avec Benoît Champion, qui est le superviseur de toute cette plateforme de communication, afin de créer une page
pour parler du programme, n'est-ce pas, du Cameroun. Parce que très bientôt, nous serons au Cameroun pour aider les Camerounais. Voilà. Voilà, merci aussi à ceux de la Belgique. J'ai bien mangé vos dégâts. Je tenais à dire merci. Merci aussi. On en veut aussi arriver au Sénégal. Donc, faites-vous signaler, parce que dans chaque pays africain, on aimerait avoir des représentants afin de pouvoir travailler dans ce domaine-là. Non seulement ça, prier pour combattre, éradiquer la sorcellerie dans votre truc, vous allez me dire, mais ce n'est pas possible. Les gens se sont levés un matin, pendant 3 siècles, ils ont combattu. Tout est possible. Il faut commencer. Il faut commencer. Il faut commencer. Il faut commencer. Ma fille Kalou, je ne t'ai pas vu au programme. Je sais que peut-être que tu as eu des soucis. On va causer une boxe après. Mais que Dieu te fortifie. Voilà, ceux que je n'ai pas vu, certainement n'ont pas eu le temps. Soyez fortifiés par la grâce de Dieu. Mais quand votre père spirituel est sur Paris, quand il a un programme, mettez-vous dedans. Et puis, montrez que vous êtes même dedans, même si vous n'êtes pas présent. On a vu les Viventrés qui nous envoyaient des messages. Beaucoup de personnes nous envoyaient des messages. Voilà, quand vous n'êtes pas là physiquement, signalez-vous que vous êtes de tout cœur avec nous. Ça, c'est vraiment très important. Nous voulons, n'est-ce pas, mettre un comité en place pour voir les véritables. Parce que moi, je dis aujourd'hui, hein, j'ai été tellement déçu des Parisiens. Voilà, j'ai apporté beaucoup d'aide, beaucoup de contributions. J'ai aidé beaucoup de gens. Il y a beaucoup de personnes ici. Il y a beaucoup de personnes ici qui étaient malades, qui sont venues même en Côte d'Ivoire, qui ont été guéries dans le ministère des footballeurs, des hommes d'affaires à Paris ici. Voilà. À Paris ici, qui sont retournés contre moi, méchants, égoïstes, n'est-ce pas? Ingrats, surtout le mot ingrat. C'est pour ça que, frère, je me méfie beaucoup quand je suis un peu à Paris. Mais il y a beaucoup de personnes qui se démarquent. Il y a voilà, beaucoup de personnes. Parce que les gens, ils ne pensent qu'à eux. L'onction, elle est là, frère. L'onction est là. Je veux maintenant connaître de véritables enfants et m'investir en eux. Voilà, c'est important. Dieu nous donne la possibilité d'avoir des enfants spirituels et des investir en eux. C'est ce qu'ils sont en train de faire justement en créant des plateformes de connaître des enfants spirituels dans le monde, n'est-ce pas, afin de pouvoir les aider. On a déjà des comités. Donc, je tenais à dire shalom aussi au général Ludovic depuis Lyon. Merci déjà pour ceux qui ont apporté leur contribution. Il y a des gens qui l'ont soutenu ici. Voilà, on lui fera des points. Voilà, donc shalom à vous. Voilà, donc je tenais à dire merci. Je tenais à dire pour le programme de l'Angleterre, ça tient. Le programme de l'Angleterre, ça tient. Nous sommes en train de traiter le dossier. Très bientôt, j'aurai, n'est-ce pas, la date définitive auquel le prophète Akrasou arrive au Canada. En Angleterre. Je vais maintenant souligner un sujet très important, celui du Canada. Je vais parler de celui du Canada. Voilà. Franchement, le sujet du Canada, c'est un sujet très important. Le Canada me tient beaucoup à cœur, et je serai au Canada par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de travailler là-dessus. D'ici 20 jours, une délégation arrivera au Canada pour une réunion de mise au point. Voilà, une réunion de mise au point. Je tenais à dire, ceux qui sont au Canada, ce qui fait qui a fait qu'aujourd'hui, je suis un peu réticent. Ouais, shalom à toi, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Tu as joué les commandos. La femme, là, elle pensait que tu ne mangeais pas tikliti. Oh, il y a trop d'indolé dans ton corps. Elle voulait jouer, Jean-Pierre. Dit, laisse-moi. Oh, Jean-Pierre, quand vous voyez la masse de Jean-Pierre, frère, même si tu es possédé, ce monsieur-là, quand tu le vois, ah, toi-même, là, tu rends témoignage. Il est grand de taille, il en forme. Et puis, Dieu merci, il a nommé cette druide. Donc, il est loin, il est fatigué. La dame est en train de dire, Jean-Pierre, que Dieu te bénisse. Ah, Jean-Pierre a neveu, c'est drôle maintenant. En Valandais, petit frère de Bob Marley. Ou bien son neveu, son cousin. Maintenant, la même là. Ah, il est comme nous maintenant. Il a neveu druide. Gloire à Dieu. Ouais, shalom. On est ensemble. La promesse reste la promesse. On ne sait pas. Oui, mon Sévira, tu sais où on doit s'attraper. Voilà. Voilà, donc je reviens sur le programme du Canada. Le programme du Canada aura bel et bien lieu. Nous aurons un grand programme au Canada. Je serai au Canada. J'arrive au Canada. Pour l'heure, il y a un souci. Je tenais à dire, frère, ne jouez pas avec le nom de votre père spirituel. Ne jouez pas avec l'image de votre père spirituel. Voilà, ne jouez pas avec l'image de votre père spirituel. Je vais parler à Raoul. Je vais parler à Raoul. Parce que dans ces temps-ci,
Il est en train de monter des gens contre Paulin. Ce n'est pas Paulin qui me l'a dit. C'est des gens qui m'appellent pour dire Raoul n'aimerait pas que les gens s'associent à Paulin pour que j'arrive. Raoul n'aimerait pas que les gens s'associent à Paulin pour que j'arrive. Raoul me pousse maintenant à dire réellement qui il est. Parce que si Raoul a ce comportement, ça veut dire que c'est un infiltré. C'est quelqu'un qui est en train de se démasquer. Raoul, je ne le connaissais pas. Il m'a connu au travers de YouTube. En 2015, il est venu en Côte d'Ivoire. Je l'ai reçu chez moi. Chez moi, quand j'étais encore en Grès, je l'ai reçu chez moi. J'ai prié pour lui. Il est parti. Il est revenu encore, je crois, en 2016. Je l'ai reçu cette fois-ci à la Riviera. À la Riviera, je lui ai donné une révélation. Son fils a fait des aveux. Raoul, son fils a fait des aveux, tout ça. Je lui ai donné une révélation. Il a fait le 1er janvier chez moi à la maison à la Riviera Palmeraie. N'est-ce pas? Et à distance, son fils possédé a fait des aveux. Gloire à Dieu. Et nous avons pu régler ce problème. Il est rentré chez lui. Donc, Paulin, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, mais à distance, Paulin et sa femme, n'est-ce pas? Franchement, de toute façon, les gens m'ont aimé. On cherchait à savoir qui est Raoul. Ils ont associé Raoul comme il est le père, le fils spirituel du prophète Crasso. Il faut qu'on se mette ensemble pour organiser son arrivée, sa venue ici. Je comprends maintenant pourquoi Raoul, quand il met son nom sur les papiers, il y a toutes les difficultés. Je vais bien expliquer les choses. Voilà, donc, il est rentré chez lui au Canada. On était en train de tout faire pour arriver. Je faisais mes papiers en Côte d'Ivoire. Au même jour où je devais entrer à l'ambassade, l'invitation, il a dit les papiers d'invitation, là, ça a disparu. C'est-à-dire la feuille où je dois faire rentrer la feuille d'invitation. Tous les documents, j'ai payé tout à la banque, l'argent, tout ça, pour envoyer la lettre d'invitation à l'ambassade, au consul, pour qu'on me donne mon visa. L'invitation a disparu. Et moi, je suis rentré dans une inquiétude. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Dieu ne peut pas me permettre ça. Si Dieu me permet ça, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que le nom de l'invitation, c'était Raoul qui avait le nom. Celui qui m'invitait pour, n'est-ce pas, venir, n'est-ce pas, et en profiter pour aider les gens. OK? Moi, j'ai commencé à voir ça pas normal. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, éclaire-moi sur ce sujet parce que je veux bien comprendre. Parce que si tu toi-même seul, tu détiens. Je suis à quelque part de mettre les papiers, on m'a accepté, j'ai tout fait. Je vais envoyer pour qu'on me donne mon visa. Et du coup, le papier disparaît. Il disparaît. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je mets en prière, je rentre en France. Voilà, donc je rentre en France, ma croisade, ma tournée européenne. Donc celle-là, cette tournée européenne. Et du coup, ils ont fait des réunions là-bas. Et Dieu merci, là, ils ont contribué. N'est-ce pas? Ils ont contribué. Et le Canada a contribué. On me donne, n'est-ce pas? On me donne, n'est-ce pas? Ils ont envoyé 800 dollars pour l'achat de billets, tout ça. Merci déjà pour ceux qui ont participé. Dans toute l'Europe, pour tous ceux qui ont participé pour l'achat de billets d'avion. Ok, je rentre. Maintenant, on devait commencer, lancer le programme, n'est-ce pas, sur Paris. On devait rentrer le programme sur Paris. Et du coup, Raoul nous appelle pour dire est-ce qu'il doit venir ou pas. J'ai dit, on ne répond pas sans ce genre de questions. Moi, je ne peux pas répondre à une question de la sorte. Je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Je n'ai pas invité quelqu'un, mais c'est celui qui se sent concerné dans ce programme qui doit venir. Puis d'ailleurs, on a beaucoup de choses à se dire, les Canadiens. Donc, vous venez. Pendant que je suis en Europe, vous envoyez une délégation, vous venez pour qu'on échange. Donc, pour moi, Raoul est venu au nom de la délégation du Canada. Voilà, gloire à Dieu. J'étais, n'est-ce pas, en Allemagne. Je suis parti d'abord la première fois voir les Marlies, les Silas, on a fait une réunion, j'ai profité. Je suis parti, n'est-ce pas, en Allemagne pour aider. J'étais en Allemagne et quand Raoul arrivait, n'est-ce pas, sur Paris. Donc, dès qu'il arrivait sur Paris, il avait d'abord des soucis et il nous a dit à la veille qu'il venait. Donc, c'est tout à fait normal. C'était pas à nous, mais on l'a fait parce que ça nous tenait à cœur de aider
les gens du Canada. Donc, du coup, on a mobilisé un frère à qui je dois beaucoup de respect, qui est mon fils spirituel. Il est un homme âgé, un homme de... Il est même à la retraite, n'est-ce pas? Un père de famille, un homme respectable. Mais à cause de Dieu, il m'appelle son père. Il est un homme âgé, père de famille, tout ça. Monsieur Aïlé, on lui donne le contact, il se lève, il va chercher Raoul. Il arrive, ok, quoi, je ne sais pas. Il ne trouve pas Raoul. Donc, il est resté pendant une heure du temps. C'est ainsi qu'il est rentré. Donc, il laisse des consignes. Et donc, quand Raoul est arrivé, il a appelé. Donc, Raoul l'appelle. Et du coup, on envoie un des fils spirituels. Ouais, shalom, shalom à toi, Sila. Voici un bon fils spirituel. Que Dieu te bénisse. Donc, on envoie quelqu'un le chercher. Donc, cette fois-ci, il vient en taxi. Et puis, il a médité un de mes fils spirituels qui le récupère chez lui à la maison. Il le fait manger. Et dans chez lui à la maison, on demande à Raoul. Raoul n'a pas d'argent pour aller prendre l'hôtel. Donc, les gens m'ont caché ça. Hein. Ils m'ont caché ça. Heureusement que ils ont consulté d'autres personnes qui ont dit, bon, OK, il n'y a pas de souci. Donc, les gens ont dit, comme il y avait le même problème de se faire loger, il ne pouvait pas dormir chez Aïlé, comme on appelle, Meïté. Il faut qu'il parte dormir chez Aïlé. Parce qu'Aïlé l'attendait, bien sûr, pour manger tout ça. Donc, on l'envoie chez le frère Aïlé. Imaginez-vous quelqu'un qui vient pour une délégation du Canada, qui est venu d'une de la délégation canadienne. Voilà, donc il se dépêche. Il va chez, n'est-ce pas, chez Aïlé. Et chez, arrivé chez Aïlé, il n'a pas l'argent pour se loger à Paris. Donc, ils m'ont caché ça. Ils m'ont caché ça. Il est resté chez Aïlé. Aïlé a beaucoup d'enfants. Il a même sa belle-mère là-bas. Et chez lui, il est descendu. Moi, je ne savais pas. OK? Je reviens du Canada, de l'Allemagne. On me prend la gare du Nord, je crois la gare de l'Est. Et je le vois dans ma voiture, je parle avec lui. Je lui demande, mais où il loge? On me dit, cette fois-ci, il loge chez Aïlé. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est chez Aïlé? Tu dois aller loger. Il me dit, on lui dit, non, il a des soucis. Je lui dis, mais quels soucis tu as? Non, il a des soucis avec sa femme. Ça fait un bon moment qu'il n'est plus à la maison avec sa femme et tout ça. J'ai dit, mais attends. Tu es venu au nom du Canada, au nom de l'équipe du Canada, ou bien tu es venu régler ton problème? Il dit, non, lui, il a des problèmes, n'est-ce pas? Il est venu régler les problèmes. J'ai dit, mais tu loges où? Chez Aïlé. Mais pourquoi? Il n'a pas d'argent. J'ai dit, mais attends, tu n'as pas d'argent? Ici à Paris, tu vas venir loger chez Aïlé? Tu sais un peu ce que ça veut dire? C'est un peu ce que ça veut dire, aller loger chez Aïlé, chez Monsieur Aïlé. Ah, Raoul, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Donc, science tenante, j'ai dit non, ce n'est pas bon pour mon image. Ce n'est même pas bon pour mon image. Parce qu'on est à Paris. On est à Paris. On est à Paris. Cherche-toi un hôtel. La même nuit, on a cherché l'hôtel. On l'a aidé à payer l'hôtel. Vous voyez? Donc, du coup, j'ai vu ça un peu bizarre. Il était là, il tournait. J'ai dit, je l'ai appelé, j'ai dit, mais est-ce que tu connais quelqu'un ici à Paris? Il me dit, oui, qui connaît sa sœur. J'ai dit, bon, vas-y, règle le problème avec ta sœur. On a payé l'hôtel, on devait aussi recevoir Sila de Belgique et tout ça. Donc, ils ont profité pour dormir ensemble avec Sila. Merci déjà pour Sila, pour ce que tu fais. On a dormi avec Sila, tout ça. Donc, quand la convention est finie, on a dit, mais chacun doit rentrer. Nous, on est à Paris ici pour régler certains soucis. On a fini avec la convention. Mais je n'ai pas vu Raoul parler du sujet du Canada. Donc, du coup, j'ai tiqué. Donc, du coup, j'ai commencé à voir tous ceux qui sont dans le comité du Canada bizarre. Et donc, j'ai regardé faire. J'ai dit, bon, Raoul, on est à Paris. Toi, tu es venu du Canada. En temps normal, là, les Canadiens, vous êtes là. Toi, tu as un papier canadien. Tu es canadien. Tu as de l'argent. En temps normal, les Canadiens, c'est là-bas, tout le monde veut chercher à avoir de l'argent et tout ça. Tout le monde. OK. Tu ne peux pas venir à Paris ici, vivre dans la poche des gens. Tu as une soeur, il a dit quelqu'un, il dit oui. Donc, va loger chez ta soeur. Donc, il allait loger chez sa soeur. La même nuit, il a fui. Il a quitté chez sa soeur. Et quand on a fini de causer, j'étais à ma chambre, puis le Saint-Esprit m'a dit, descends, reste dans le hall. Je suis descendu dans le hall. Le Saint-Esprit dit que Raoul va venir
dans ton hôtel. Moi, je dors à l'hôtel, un nouveau hôtel. Vers minuit, je vois Raoul qui vient dans mon hôtel. Il me rencontre dans le hall. Je le regarde, on se regarde. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous dans mon hôtel? Il dit, non, il ne se sent pas à l'aise. Il allait chez sa soeur, là-bas. Il ne se sent pas à l'aise. Il a l'impression qu'il va là-bas, il est étouffé. Je dis, mais attends, qu'est-ce que tu rencontres là? Comme tu es étouffé, tu ne m'as même pas écrit. Non, il cherchait l'internet, m'écrit, tout ça. J'ai dit, mais tu m'as dit tout à l'heure que tu partais dormir. Tu fous quoi dans mon hôtel? L'hôtel là, c'est quand même sérieux. À partir de minuit, tu ne peux pas venir t'asseoir dans le hall d'un hôtel, de nouveau hôtel comme ça, à 4 étoiles. Et tu prétextes que tu es venu en mon nom? Si je n'étais pas dans le hall, ce n'était pas bon pour mon image. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il est étouffé. Il dit, mais pourquoi toi, c'est des démons qui t'étouffent? Tu es venu là, c'est au nom de qui? Au nom de Canada ou bien en ton nom propre? Maintenant, il me fait sortir les problèmes. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, ça fait quelque temps, il n'est pas avec sa femme. J'ai dit, mais est-ce que tu m'as parlé de ça? Tu vis où? Il vit chez Paulin. Donc, j'appelle Paulin. J'appelle Paulin immédiatement pour dire, mais quel est le gars que vous m'avez envoyé là? Raoul, il vient, il n'a pas d'argent. Il a fait comment pour venir? Donc, on m'explique comment ils ont payé son billet. J'ai dit, mais s'il n'y avait pas l'argent, est-ce qu'il était obligé de venir à Paris? Est-ce qu'il était obligé de venir à Paris? Parce qu'il va de dégâts en dégâts. Il ne tient pas compte de mon image. Il va chez Ailey. Il regarde, logé. Les gens le nourrissent. Il va dormir dans, je ne sais pas où. Il vient encore à mon hôtel. Attends, qu'est-ce qui se passe réellement? Tu n'avais pas d'argent. Le billet fait plus de 900 dollars. Tu t'es pas oublié de prendre les 900 dollars pour venir? Parce qu'à Paris, quand tu veux venir à Paris, il faut te prendre en charge. Il faut te prendre en charge quand tu es à Paris. N'est-ce pas? Il faut te prendre en charge. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il a les difficultés à sa femme. J'ai dit, OK. Je lui dis, OK, tu as les difficultés à ta femme. Tu ne m'as pas parlé de ça. Tu dors où? Chez Paulin. J'ai dit, mais c'est même pas intéressant que vous soyez dans le même Canada et que toi, tu as 3 enfants avec cette dame et que toi, tu quittes la maison. Ça fait 3 mois, tu vis chez Paulin et Paulin n'ose même pas me le dire. Ça veut dire que c'est une complicité. Donc j'appelle Paulin pour lui dire, j'ai dit à Paulin que vraiment Paulin, ce qui se passe avec Raoul là, je ne suis pas d'accord et ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas parce que voici ce qui se passe. Hein. Voici, il a dit oui, il savait. Mais comme Raoul avait trop de problèmes et patati patata. J'ai dit, mais Raoul, il vit dans un foyer. Raoul ne peut pas laisser son foyer. Moi, je n'accepte pas. Je respecte le foyer. Raoul ne peut pas laisser son foyer, sa femme et ses enfants sous prétexte qu'il a des problèmes avec sa femme. Et puis, il vient vivre chez toi 3 mois. Je ne suis pas d'accord avec ce principe. Ce n'est même pas un bon truc. Ce n'est pas un bon témoignage. Non, il ne se sent pas à l'aise chez lui. J'ai dit, mais tu ne te sens pas à l'aise chez toi. Ça veut dire que tu as un problème. Pourquoi toi, tu penses que tu es chrétien? Puisque toi, tu penses que tu es un fils spirituel. Attends, pourquoi tu ne fais pas de ça une priorité? Pourquoi on règle le problème entre toi et ta femme? Tu prends l'avion, et puis d'ailleurs, tu déménages, tu vas rester chez Paulin. Donc, j'ai dit, Paulin, voici l'histoire du Canada là. C'est comme ça que vous faites avec moi. Donc, du coup, Paulin a commencé à m'expliquer. Il dit, comme Raoul est dans des problèmes, j'ai voulu le protéger, l'aider. C'est moi-même, j'ai vu qu'il avait trop de problèmes. J'ai dit, mais donc, comment vous traitez le problème du Canada alors? Vous ne parlez même pas, il est venu, vous n'avez pas parlé du problème du Canada. Il va de problème en problème. Le voici à minuit chez moi, vers 1 h du matin. Il est dans l'horreur de mon hôtel. Il veut dormir dans l'horreur de mon hôtel. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? À Paris, là, je me méfie beaucoup. Les Parisiens, là, ils ont déjà trop gâté mon nom. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on fait? Raoul n'a pas d'argent. Raoul n'a pas d'argent. Je le regardais, j'ai dit, bon, Seigneur, je suis obligé de le faire. Quelqu'un qui vient du Canada. OK, donc, je m'en vais, je prends l'hôtel juste à côté. Je paie sa chambre d'hôtel. Donc, je l'ai pris en charge pendant tout le séjour. Je l'ai pris en charge pendant tout le séjour. Et j'ai commencé, je l'ai fait asseoir. J'ai dit, mais tu commets une grosse erreur. Parce que la vie, là, on ne fait pas, on ne vit pas comme on veut. Il faut, moi, je respecte ta femme. Mets-moi en contact avec ta femme.
pour que je règle déjà le problème. Et puis, d'ailleurs, va te réconcilier darda avec ta femme. Immédiatement avec ta femme. Arrête-moi tes conneries, des histoires, des noms. Tu rentres au Canada, quitte Chapolin, va chez toi. Je l'ai pris en charge. J'ai payé sa chambre d'hôtel et tout ça. J'ai réglé tous les frais de nourriture parce que juste après ça, on allait en Suisse. J'ai réglé en Italie plutôt. J'ai réglé tout ça. Le frère qui nous aidait, qui avait sa voiture, le frère qui avait sa voiture, mais Aïlé et Meïté qui était en congé, qui nous aidait, il a demandé à Meïté de venir l'aider à faire des courses dans tout. Meïté dit non, il n'est pas à sa disposition. Non, il n'est pas à sa disposition. Il ne peut pas faire des courses. Il faut qu'il demande mon avis. Le même Raoul va insulter copieusement, n'est-ce pas, Meïté, l'insulter. Meïté m'a appelé quand j'étais en Italie pour dire voici le comportement de Raoul. Et il m'a demandé, je lui ai dit non, la voiture ne m'appartient pas. Puis d'ailleurs, même quand j'ai fini de rouler le prophète Rasso, j'ai envoyé la voiture, ça appartient à M. Haïlé. Donc j'ai ramené la voiture à M. Haïlé. C'est ce que j'ai fait. Donc le problème, faut pas m'insulter. Il a insulté copieusement. Et ça, il a encore aggravé son problème. Je n'ai rien dit, j'ai appelé Paulin pour lui dire, mais ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a? Et je lui ai dit, quand tu rentres au Canada, va régler le problème avec ta femme. On s'attendait ici, ça. Il est rentré au Canada. Il rentre au Canada, j'appelle Paulin pour dire à Paulin, Raoul, là, il vit où? Il est parti chez lui ou bien chez toi? Paulin dit non, il est là. J'ai dit, mais attends. Pourquoi il vit chez toi? Toi, tu as une femme. Lui, il a un foyer. Il a des enfants chez lui. Il ne peut pas régler ce problème. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Dis à Paulin, à Raoul, de partir chez lui. Si Raoul ne rentre pas chez lui, toi et moi, Paulin, on ne va même pas se dire un mot. Parce que je vois que vous êtes irresponsable. Donc je mélange, je mets Paulin dedans. Paulin a commencé à avoir peur. Paulin lui dit, bon, cette fois-ci, il faut partir parce que vraiment les décisions que le prophète est en train de prendre, parce que ça cause de moi, il a connu Paulin. Hein. On ne le connaissait pas. On ne connaissait pas Raoul. Donc ne jouez pas avec mon nom. Ça cause mon nom, mon image, que Raoul, là, Paulin l'a récupéré chez lui. Donc j'ai dit. Si tu veux qu'on soit d'accord, il n'a qu'à régler son problème de foyer. Raoul, puis il parte. Régler son problème de foyer. Attends, il peut laisser une femme et ses enfants dans une maison. Et puis il allait chez toi. Il vit chez toi pendant ce temps, sa famille a besoin de lui. Sans abandon de domicile. Qu'il part chez lui. Paulin a mis cette parole en exécution. Parce que je lui ai dit. S'il ne règle pas ça, désormais, je ne peux même pas permettre même qu'on dise que vous êtes parmi dans le comité d'organisation. Ça a créé tout ce que ça pouvait créer aujourd'hui. Paulin dit, il faut rentrer chez toi. Il va gâter le nom de Paulin auprès de tout le monde que Paulin l'a chassé de chez lui. Mais oui, Raoul. Oui, Raoul. Paulin doit te chasser de chez toi. Paulin doit te chasser de chez toi. Parce que, excusez-moi, je suis en train de m'appeler. Paulin doit te chasser de chez toi. Pourquoi? Parce que tu as besoin de regagner ton foyer. Tu as besoin de regagner ta maison. Tu as besoin de regagner ta maison. Si tu ne regagnes pas ta maison, ce n'est pas bon. Et comme Paulin t'a dit de partir de chez lui, parce que le prophète Crasso dit, quand tu es chez lui, c'est abandon de domicile, ce n'est pas ce qu'on vous enseignait aujourd'hui. Nous, notre combat, c'est que la paix soit dans les foyers. Et à cause de ça, aujourd'hui, il réunit tous ceux qui veulent maintenant faire partie du comité d'organisation. La plupart de ceux qui ont décidé de faire partie du comité d'organisation, il va commencer à les monter contre Paulin. Les gens m'ont appelé. Vous dites, ce que tu es en train de faire, Raoul, moi je suis serviteur de l'Éternel. Le comité du Canada, là, qu'on a mis sur pied, ce n'est pas pour faire des conneries. Vous devez être un exemple.
Pendant 4 mois, tu as abandonné ta femme. Et quand tu me l'as expliqué ici, je n'étais pas content après toi. Non seulement ça, mais tu es venu du Canada, tu nous as créé tous les problèmes ici. Et les mêmes problèmes, là, tu es en train de poursuivre ça. Je ne peux pas permettre qu'un homme puisse abandonner sa femme et ses enfants et vivre dans le même pays, dans une autre ville. Jamais je peux accepter ça. Jamais je peux accepter ça. Donc j'ai menacé Paulin. Paulin, de ce monsieur-là, s'il continue d'être avec chez toi, je ne mettrai pas mes pieds au Canada. Parce qu'il est venu ici, il est venu ici à Paris, ici. Il n'a pas parlé, il n'a pas parlé, il n'a même pas parlé du Canada. Il n'a parlé que de sa vie privée. Non seulement c'est pas de sa vie privée, mais il abandonne sa femme et ses enfants. Je ne suis pas d'accord. Tu as quoi? Tu as quoi? Tu quittes au Canada, tu viens nous donner des problèmes. C'est moi qui dois te prendre en charge dans tout Paris. Ce n'est pas un problème. Je l'ai déjà fait. Mais ta famille, ta femme, c'est moi qui ai dit à Paulin, et ça, il faut bien écouter. C'est moi qui ai dit à Paulin, et ça, je te l'ai même dit. Tant que tu ne mettras pas les pieds et que tu ne me permets pas de régler, parce que je veux régler le problème, tu ne me donnes pas l'occasion de régler le problème. Il faut que tu rentres. Et c'est comme ça. Celui qui va penser qu'il est dans un groupe du prophète Crasso, les enfants spirituels du prophète Crasso dans chaque groupe, celui qui va vouloir abandonner sa femme ou ses enfants, il mourra sur son chemin. Celui qui va vouloir, si tu es un esprit, il faut nous donner le sujet, on va te délivrer. Mais abandon de domicile, tu es au Canada. Donc, voici le problème qui se pose. Voici le problème. Il faut qu'il retourne. Ceux qui vont s'aligner à Raoul, Paulin, c'est lui qui me représente sur le Canada. C'est Paulin qui est chargé d'organiser, n'est-ce pas, le comité d'organisation. Ce que Raoul entend de dire, Raoul même, il m'a créé des problèmes. Il faut que tu sois grand dans ta tête. Il faut que tu sois grand dans ta tête. On n'a pas créé ce comité-là pour que tu abandonnes ta maison et aller vivre chez Paulin. Je suis désolé. C'est un grand péché. C'est un grand péché. Je t'ai demandé, rentre au Canada, je règle ton problème. Moi, en tant que père spirituel, je veux régler ton problème. Je vais te réconcilier avec tes parents, ta famille. Tu ne veux pas. Tu ne veux même pas. Tu fuis. Tu me fuis. Donc, moi, maintenant, je menace Paulin. Je le menace parce qu'il dit, il est un danger. Si lui, il est là, il est là, il allait chez toi. Il mange, il dort. Entend, il a abandonné son domicile. Il a abandonné ses enfants. Et toi, tu l'acceptes ici. Tu es en complicité avec lui dans ce péché-là. Donc, moi, je ne viendrai pas au Canada. Et quand Paulin a entendu ça, il a commencé à avoir peur. Il a demandé de partir. Et du coup, tu commences à menacer tout le monde. Tu révoltes les gens contre lui. Et tu dis aux gens de ne plus être dans le comité d'organisation du Canada. Donc toi Raoul qui parle ça aujourd'hui, moi qui t'ai aidé aujourd'hui là. Donc toi, tu étais un infiltré alors. Tu étais un infiltré alors. Parce que les paroles qu'on est en train de faire, l'acte qu'ils sont en train de poser, ce n'est pas mauvais. Parce que quand quelqu'un pose, t'es dit de repartir chez toi à la maison, en quoi c'est mauvais? En quoi c'est mauvais? C'est ta maison, tu l'as légalement mariée ta femme. Vous êtes quitté de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, vous avez vécu aux États-Unis. Après ça, vous êtes allé immigrer au Canada. Vous avez des papiers canadiens, tes enfants fréquentent au Canada. Ta femme est là, elle a besoin de toi. Du coup, un matin, tu dis que tu as des problèmes avec ta femme, mais attends, ça peut se régler. Moi, je te donnais, je veux, je t'ai dit, je prends moi cette responsabilité de régler ce problème. Pourquoi aujourd'hui on m'appelle du Canada? Depuis hier, on m'appelle du Canada, on m'envoie des messages pour dire, voici ce que Raoul ne veut pas que Raoul, tout ça. Ce n'est pas Paulin qui m'a dit, c'est les gens du Canada. Il y a pas mal de gens qui, c'est à cause de moi, ils t'ont connu. Toi, Raoul, tu chasses des démons. Toi, Raoul, tu ne chasses pas des démons. Tu ne chasses pas des démons. Tu ne chasses pas des démons. Qui te connaît ça même? Toi, Raoul, là, qui te connaît? Qui te connaît? Qui te connaît?
Personne ne te connaît. Personne ne sait qui tu es. C'est moi qui ai parlé de toi. Donc, il ne faut pas salir mon image. On a décidé de protéger notre image. On a décidé de faire un combat. Il faut que les gens soient heureux au travers de notre ministère. Voici toi aujourd'hui au Canada. Voici le comportement que tu as. Parce qu'on t'a dit de regagner ton foyer. Il y a le comportement. Donc, toi, tu es devenu diable alors. C'est moi qui ai dit à Paulin de ne pas t'accepter chez lui. Ce n'est pas un péché et c'est diable. C'est bien ce que j'ai dit. Mais toi, tu peux vivre au Canada puis vivre chez les gens. Les gens m'appellent de partout, m'envoient des messages. Voici ce que Raoul rencontre sur Paulin. Donc, si c'est ça, on ne fait plus partie du comité d'organisation. On ne fait plus partie du comité d'organisation. On ne serait plus dans le comité du Canada. On ne serait plus dans le comité du Canada. Les gens, non, on ne serait plus comité. Puis tu mets la zizanie entre les gens parce qu'on t'a dit d'aller chez ta femme. C'est ta femme, frère. Je te mets au garant. Il y a les gens avec lesquels on ne s'amuse pas. Tu peux t'amuser. Mais il y a des gens avec lesquels on ne s'amuse pas. Si tu n'arrêtes pas cette campagne de dénigrement contre Poulain, si tu n'arrêtes pas ta zizanie que tu es en train de faire pour empêcher d'organiser le programme de Canada, la malédiction, là, tu vas la supporter. Je vais te convoquer devant le trône de l'Éternel, ce Dieu avec qui j'ai fait une alliance. Je vais te convoquer devant ce trône-là. Et tu verras. Parce que là, on va plus s'amuser. Et tu verras. Faut répartir, faire la paix avec ta femme. Si tu ne peux pas, je suis là. Appelle-moi, je règle le problème. Et si sa femme écoute cette vidéo, je n'ai jamais soutenu Raoul dans cette merde qu'il est en train de faire. Au contraire, je l'ai menacé. Je lui ai demandé que je voulais causer avec toi. Il a dit que tu dormais, il t'a appelé, tu dormais. Il m'a jamais eu, je n'ai jamais eu ton contact. Et si tu vois cette vidéo, Madame Raoul, tu vois cette vidéo, cherche à m'appeler. Cherche à me joindre. Je vais écouter ta version. Parce qu'il a l'impression qu'il est venu. Je lui ai dit, m'en fous. Peu importe la raison que tu donnes, tout problème peut se régler. Les problèmes de fou couple peuvent se régler. Mais ça tente de prendre une autre tournure. Ça tente de prendre une autre tournure. Donc, frère, il faut que ça se règle. Voilà, il faut que ça se règle. Je tenais à dire, il fallait que je touche à ça. Que Dieu vous bénisse. Paulin n'est pour rien. Paulin n'est pour rien. C'est moi qui ai dit de te chasser. C'était pas chez toi. Il n'a qu'à te chasser chez toi. Va vivre chez toi et ta famille. Laisse-nous faire de notre ministère. Si tu ne m'écoutes plus, ben tu vas écouter qui? Nous, on n'est pas là pour s'amuser. Même si ta femme, aujourd'hui, elle me boude, c'est à cause de toi, elle me boude. Parce que c'est dit que moi, je te soutiens, je ne t'ai jamais soutenu dans cette merde. Donc, va régler ton problème de foyer. Il faut aller régler ça. Et puis, arrête cette campagne de dénigrement. Ce que tu es en train de faire contre Paulin. Voilà, donc, je tenais à vous dire shalom. Je vais couper la vidéo. Voilà, je vais couper la vidéo. Et puis demain, on va reprendre, n'est-ce pas, l'enseignement. Je m'excuse. Voilà, je m'excuse parce que c'était vraiment choquant. Ce monsieur, il est venu ici, il m'a mis dans des problèmes. Il m'a créé des problèmes. Il m'a créé des problèmes. Je l'ai pris en charge. Il m'a créé des problèmes. J'ai protégé son image jusqu'à quand je n'ai pas voulu parler de ça. Je l'ai protégé jusqu'à aujourd'hui. Celui qui va venir dénigrer, insulter Paulin, celui qui va venir saluer notre image, celui qui fait partie du comité d'organisation, qui va se comporter très mal, dénoncez-le. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus prêt à s'amuser. On n'est plus là pour s'amuser. Excusez-moi, on va poursuivre l'enseignement demain. Voilà, parce que franchement, j'étais vraiment chargé. Il fallait que je dise ça pour protéger l'image de ceux du Canada. Voilà, shalom à vous, que Dieu bénisse. Voilà, je vous soutiens de tout mon cœur. Raoul, je t'aime. C'est parce que je t'aime que je te dis ça. C'est parce que je t'aime. J'aime ton foyer. Il faut regagner ton foyer. Va regagner ton foyer. Je suis prêt à régler le problème de ta femme. Voilà, shalom à vous, que Dieu bénisse, restez bénis. Excusez-moi, je suis vraiment désolé, mais il fallait que je fasse ces mises au point. C'était vraiment très important. Si la femme de Raoul écoute ça, qu'elle m'appelle, je vais régler le problème. Quel que soit un problème, tout peut se régler sur cette terre, le point de foyer. Shalom à vous, demain on aura un enseignement de taille. Je suis vraiment désolé, à la même heure, on se prend pour l'école du mystère. Shalom, bonne nuit à vous.